Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, mes chers concitoyens, nous sommes réunis pour commémorer une date qui a marqué l'histoire de notre pays, le 18 juin 1940. Je commencerai par remercier de leur présence Monsieur le maire de Margency, mon ami, les représentants des anciens combattants, les corps constitués, nos collègues élus, Madame la directrice de l'école Sylvie, les enseignantes, le conseil municipal des enfants et vous tous présents pour honorer le devoir de mémoire. Pour l'ensemble, garde à vous. Attention pour les couleurs envoyées. Sur les ondes de la BBC, le général de Gaulle adressa aux Français un message afin de les rassembler pour résister et combattre l'ennemi. Il s'agit de l'appel historique du 18 juin 1940. Sa grande voix inconnue jusqu'alors s'élevait dans le silence et le calme de ce beau soir d'été. Le ton était inhabituel, mais c'était à n'en pas douter celui d'un homme droit, d'un chef lucide et décidé. Je vous ai compris. À franchement parler, je ne crois pas qu'aucun Français ait soupçonné en 1940 que le 18 juin allait devenir le 18 juin. Que l'appel de ce général inconnu au don prédestiné est ému, qu'il ait suscité chez certains un souffle d'espoir dans l'effondrement général, qu'il ait stimulé des énergies, assez de témoignages l'attestent. L'appel apportait une lueur, il exprimait une volonté française que rien n'avait abattue, qui maintenait par la voix d'un seul une tradition nationale qui faisait le lien avec toute notre histoire. Il a suscité une indéfectible reconnaissance alors même que nombre de nos parents, voire grands-parents, ne se faisaient pas la même idée de la France que le général de Gaulle. Mais comme devant la plupart des grands événements historiques, bien rares durent être ceux qui en devinèrent la portée. Combien de Français, même parmi les résistants précoces, même parmi les plus fervents gaullistes de France, connaissaient, 4 ans plus tard, au jour de leur libération, la date et le texte de l'appel. Du moins ont-ils su très tôt que De Gaulle avait été le premier à exprimer le refus et à le faire savoir grâce au miracle de la radio. Ce cri de révolte, construit, argumenté, qui appelle les Français à désobéir à l'autorité, d'autant plus étonnant qu'il émane d'un militaire. Un militaire qui encourage le peuple de France, ses compatriotes, à ne pas se soumettre aux ordres de son supérieur, le chef de l'État français, le maréchal Pétain. La France avait capitulé, Philippe Pétain avait demandé aux Français d'accepter le joug de l'envahisseur nazi, une défaite que le général de Gaulle n'a jamais admise. Le général de Gaulle est aujourd'hui plus qu'un libérateur, c'est un symbole pour la France, à la fois celui de l'esprit résistant et, selon ses propres mots, de l'honneur, de la raison et de l'intérêt national. Le 18 juin 1940 fait partie du patrimoine français. Il est inscrit dans nos mémoires comme une des plus grandes dates d'un grand passé. Cette cérémonie, je la dédie à tous ceux qui ont suivi le général de Gaulle dans la France libre et la résistance intérieure, et notamment à ce professeur de droit, avocat et futur président de la Cour européenne des droits de l'homme, qui vécut dans cette demeure où j'ai l'honneur de siéger, qui apprit le 19 juin 1940 qu'un général français avait proclamé à la radio de Londres « La France a perdu une bataille, mais n'a pas perdu la guerre ».
René Cassin l'avait toujours pensé, disait-il. Avec la volonté, nous pourrons la gagner. C'est à Londres, aux côtés du général de Gaulle, qu'il faudra se rendre.